Là, 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 sur la chaise, sur la chaise, là. Ah, il y avait une note, là. La chaise. Ici, Seref. Nous sommes à court de solutions. Il y a deux semaines, Hanson est tombé de l'échafaudage, juste après avoir allumé le système de sécurité. Heureusement pour lui, il n'est pas resté en vie longtemps. Mais maintenant, tout le bâtiment est électrifié et nous sommes piégés ici depuis tout ce temps. Personne n'a répondu à nos appels de détresse et nous n'avons plus de provisions. Il ne nous reste que le cyanure qu'Hanson avait gentiment pensé à prendre avec lui. Si vous connaissiez Hanson, vous ne seriez pas étonné qu'il garde du cyanure. Enfin bref, au vu de nos options, nous avons décidé de prendre ce chemin. Nous avons évoqué l'idée d'avoir recours au cannibalisme, mais ça aurait juste fait de nous des mordeurs un peu plus intelligents. C'est donc mieux comme ça. De plus, n'avons-nous pas été un peu idiots aussi de laisser Hanson nous égarer ici? Merci de nous avoir trouvés, qui que vous soyez. Désolé pour le désordre. Seref, Hazan. Jafar, j'ai trouvé le reste du groupe. Et ils sont tous morts. Suicide. Merde! Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Hanson a allumé le réseau électrique de sécurité et il a chuté. Le reste de ces gens s'est retrouvé coincé sur le toit, sans moyen de redescendre. Ils ont fini par manquer de provisions et ont décidé d'en finir. Mais ils pouvaient pas aller dans le bâtiment? Apparemment, seul Hanson avait les clés. Il devait faire confiance à personne. Non, Hanson ne faisait jamais confiance aux autres. Dommage qu'il lui ait fait confiance. Merci d'y être allé, Green. Jafar, terminé. Bon. On aurait pu les chercher longtemps, les jumelles. Pourquoi? Bah, parce que c'est ce que t'as ramassé sur la chaise. Ah ouais. Par contre, t'as vu, c'est sympa les trucs. Ils ont. Tu vois bien les mecs comment ils ont survécu, tu sais, avec les seaux d'eau pour récupérer la flotte et tout. Ouais, c'est pas mal. Bon, attends, on va regarder s'il n'y a pas un autre. Y a pas un autre. Notre quoi? Parce que là il y a une tyrolienne, mais bon, c'est un peu de l'autre côté qu'il faut qu'on aille, nous. C'est... 730 mètres. Parce que là t'as une tyrolienne, mais c'est de l'autre côté quoi. Y'en a pas une en bas là? Eh, y'a un truc qui brille en bas, c'est quoi? Où? Ah non, c'est les trucs électriques sur les réseaux électriques. Putain, je suis con. Attends, je vais regarder ici. Une tyrolienne. Là, là, y'en a une là, viens. Elle sera plus dans l'autre sens. Attends, point d'agilité, je vais le foutre maintenant, comme ça sera fait. Alors. Oh, tyrolienne. On se bouge. Voilà. Oh putain. Allez, c'est parti. Pourquoi ça vient de la gueule? Ils craignent ces trucs. J'atterris sur. Pas te déconner, moi, les tyroliennes. Mais faut. Non, mais t'appuies une fois et après tu. Bah ouais, c'est ce que je fais, mais. Ça déconne. Bon, je vais essayer un crochetage. C'est quoi ce. Pourquoi il y a des points rouges là? Oh putain, miracle! Quoi? Je l'ai ouvert. Il y a quoi dedans? De la merde, sans doute. Une espèce café. De. Une serpette. Je peux même pas les prendre les trucs moi, il faut que je vire moi, ce que j'ai dans mon inventaire là. La prochaine fois qu'on va dans une zone. Je vais les buter ces enfoirés. J'étais un peu énervé là, non? Ouais, non mais il faut qu'ils arrêtent les conneries à un moment donné. Pas la récompense là. 100$ ils se foutent. 88$. 100$ putain. Faut qu'on part de l'autre côté là. Ouais mais 700 mètres quoi. Non! Si, c'est loin. Non! Je peux pas monter! Moi non plus! Putain, 700 mètres quoi! Jamais pas monté sur un bus, putain! Y'a pas une mobilette ou un truc? Une meule, hein! Une chiotte! Ah non, putain! Ah, non. Attends. Comment ça, attends, t'es où? Y'a pas un pieu là?
J'ai un sac, bon je vais vider un peu mes trucs là parce que putain je suis blindé là et je peux rien faire. Y a même un marchand. Il est où le gus? Il est... Alors tac 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 tac. Ah putain c'est à l'étage. Tac, putain. Fait chier avec son motel pourri lui. Non ça je vends pas. Faut que j'ai posé parce que je peux rien, je peux plus rien ramasser. Ah ça. C'est ça tout ramasser là. C'est un peu embêtant. On ramasse tout là. Alors attends, modifier, coupe près de l'abattoir. Tiens, ça dégage. Certes, modifié, je vais garder ça. Je sais pas dans quel état ils sont. Quoique, putain, quand je vois les dégâts qu'ils font, les machins, je vais peut-être virer les trucs qui font moins de dégâts. Il y a plein de merde qui sort pas. Bon, celle-là, elle est pétée, de toute façon, je la dégage. Alors, ça, c'est pété, je la dégage. Oh putain. Voilà. Oui, j'avais les modules aussi là, c'est pas mal ça. Voilà. Alors, plaies de biche sont là, là. Allez. Un pied de biche. Allez, barre-toi. Non, pied de biche, pardon. Tu me casses. Non, c'est ça. Si, pas ça, tu vas mourir. Je suis quand je fabrique mon pied de biche là, il est... Je t'attends à la prochaine planque. Il a l'air méchant. Alors, pied de biche, voilà. Ah, il y a une alors, planque. Si avec ça, je les calme pas. Il y a une planque qu'on a pas prise là, dis donc. Oh putain, je m'a. Oh. Si tu. C'est vraiment pas vrai. Si tu branles. Apporter les jumelles. Ah ouais, il y a une planque juste là, on l'a jamais faite. Allez, je vais y aller. Trente énervé tout seul. Comment on fait pour aller là-dedans, là? Pour aller où? Dans cette planque. T'étais pas suivi par beaucoup de monde, là? Non. Hein? Dans quelle planque? T'es où, putain? Je charcle. Je viens de m'emmerder, il faut que je me défende, je vais pas rester à la regarder. La planque, elle est en retard. Ah putain, je vais crever. C'est ça, tu vas barrer tout seul. J'étais sûr. Putain, même sans bras, il vient de me faire chier, quoi. Oh. Ah disais. Oui, plus de biche. Pas mal. Comment on fait pour entrer dans cette planque? J'aime bien. Planque, je crois, ouais. Hop là, on va foutre un peu de jus. Et elle est à nous. Voilà. Ça c'est fait. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal du tout. On dégage. Ouais, bon, allez, on va au truc là maintenant. Au moins, on sait qu'elle est à nous, celle-là. D'ailleurs, je suis même étonné qu'on l'ait pas débloqué avant, celle-là, parce qu'elle est pas loin de... Ouais, elle est pas trop isolée. Hein. Elle est pas trop loin de la tour, en fait, quoi. Voyez-vous? Et vous, cher ami? Ouais, je vois. Fais gaffe, t'as un malabar. Arrête! Oh là là, c'est quoi tout ce monde? Je suis coincé sur putain de planque. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est toi là qui a foutu ton. Non, non, non. J'ai entendu le bruit du piège moi de mine. J'ai entendu un bruit. Non, j'ai pas allumé. Si, t'as allumé. Ça fait moins. Non, j'ai rallumé, je te dis. Arrête tes conneries. Ça fait moins. T'as vu? Ça fait moins. Arrête. Moins. Arrête. Oui. Je suis fatigué de courir. Marche, c'est bon là, marche. Ah non, marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a encore au cul? Je voulais me balader mais... Comment... Oh. Il y a un cadavre qui vient de m'attirer sur la gueule. Bah oui, ça arrive des fois, il tombe du ciel. Ça fait penser là, hier vite fait là, quand je suis allé chercher un plan là que l'abonné m'avait demandé, je suis tombé sur un virulent et en fait j'ai foutu un piège de bagnole comme ça et le mec il a sauté sur le toit et juste au moment où le piège il s'est déclenché, le mec il a fait un vol. Ouais, ça pète. Viens, on va passer par là, on sera plus tranquille. Ça par là, qu'est-ce que tu dis? Sur le côté là, par le chemin là, tu sais, sur la montagne.
Là, il n'y a pas beaucoup de monde par là. Au moins, il nous emmerde pas. Et c'est un raccourci en plus. Je vais t'attendre un peu. Hop là. T'es là. Alors. Non, mais moi, faut absolument. Absolument quoi? Qu'il augmente sa, son endurance de merde là, putain. Oui, mais ça, c'est tout le monde, hein. On fait pas toujours ce qu'on veut, des mots dans la vie. Ouais, non, mais là, c'est bon. Eh, j'ai une bonne vision d'ici. Tiens, toi. Cogno. Ah, mais c'est oh, dans le village. Putain, la chute. C'est dans. C'est dans le village. Ouais, je suis en train de faire un truc, je suis pas sûr que ça soit bon non plus là. On va essayer d'y aller petit à petit. Aïe. Putain, je me suis blessé. C'est dans le village des pêcheurs en fait, quoi. C'est pas possible. Bah, c'est pas possible, c'est sûr, regarde. Où on est placé. Ouais, c'est là. Comment on gambade. Eh, c'est vrai que les mecs ils doivent avoir des cuisses en béton. Oh, ta gueule. Hop là. Attends, j'achète. J'achète. Vous pouvez pas venir là, au mec là, avant d'acheter. C'est bon, quoi. Il faut tout ça. Ah, t'as trouvé des jumelles. Elles vont nous être très utiles. Voici ta récompense. C'est pas grand chose, je sais. Mais je peux te montrer un tour si tu veux. Non? C'est toi qui vois. C'est tout. Putain. Eh non mais, eh. Putain. C'est des récompenses de zone en plus, quoi. Je voulais nous montrer un tour, quoi. Ouais. Il faut retourner voir Kurt aussi pour sa bombe. Eh, attends, y'a un plan, là. Mais... Coller la clou. Hop là. Attends, qu'est-ce qu'on peut en foutre de ce plan, là? Coller la clou, c'est quoi? Bon, déjà, qu'est-ce que j'ai disponible? Ça, j'ai fait... Ah oui, mais putain, j'ai absolument rien disponible, putain, il me manque tout. Hein. Soit j'ai pas les armes, soit j'ai pas... Soit il manque des trucs. Saignement niveau 2. C'est cool. Bon, l'autre... Qu'est-ce que tu fais? Tu vas où? Et on va récupérer la bombe à l'autre, hein. À 500 mètres. Ah sans ouais, déconner bah... quoi, les allers-retours. Ah bah qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas moi qui ai fait le jeu. Hein. T'appelles Techland, tu fais oui bonjour Techland, est-ce que vous pourriez m'envoyer un taxi? Je sais pas moi. À gauche, à gauche. Prends une carte de bus quoi. Quoi à gauche? C'est tout droit là. Non, c'est séparé là. Bah oui, parce que tu t'es barré du mauvais côté. Je suis pas sûr que c'est le mauvais côté. Bah moi c'est tout droit là, je le vois là le point là. Regarde, j'ai un tunnel et tout là. T'es sur côté. Alors. Allez, monte, monte. Putain, elle, il monte, mais il se fout de ma gueule. Je suis monté comme un. Oh, c'est quoi ça? Putain. Je suis dans un. Eh, je suis dans un camp de hippie. Ouais, bon, attends, parce que je crois qu'effectivement, je me suis mis dans la merde. Attends. Faut pas changer. Ah non, c'est bon. Ah bah non, c'est bon. Regarde, bah tu vois, j'avais raison, il y avait un tunnel. En fait, il faut croire qu'il est bouché, mais t'as une espèce de petite porte pour passer sur le côté, quoi. Oh putain, oh putain. Attends, je reprends mon souffle, moi. Arrête pas de cavaler depuis tout à l'heure. En plus, il va faire lui, là, je vois rien. Ça c'est pareil, je vois rien. Je suis sur l'autoroute. Ah, moi je suis à 10 000 de l'autoroute. Je suis à 110. Je respecte. Quoi que c'est 130 je crois. Oh putain. Oh là là, c'est quoi tout ce monde? Bon attends, moi aussi je vais me reposer un peu là parce que je... Oh putain, je... Ah non, la chute. Oh non, en plus j'ai plus de soins. J'ai plus de kit. Eh mais c'est... Je me souvenais pas. C'est loin, c'est loin, putain. Bah ouais, je me souvenais pas qu'il était par là, Kurt. Monsieur Coben. Faut croire que... Si. Sérieux, attends. Je vous le rappelle encore. Allez, dans plus il est là, cet enfoiré. Bonne nuit et bonne chance. Ouais, ouais, ta gueule. Ah. Oh, bordel. C'est ça, sa bombe, là, il est sérieux. Une bombe pour moi? J'ai un prototype. Il est sur la table, prêt à être testé.
Il y a un tunnel barricadé près d'ici. Il est plein de rapaces en journée, mais... Il devrait être tranquille à la nuit tombée. Tu trouveras pas meilleur endroit pour tester cette bombe. Ok, je vais essayer le tunnel et je te dirai comment ça s'est passé. Ah, encore une chose. Oublie pas les pétards. La bombe se déclenchera dès qu'ils auront tous pété. C'est tout le temps que t'auras pour foutre le camp de là. Bonne chance. Je la sens pas, cette histoire. La bombe de carte. Il nous l'a filé, sa bombe de merde. Faut la ramasser sur la table. Tu as prise? Ah non, moi j'ai prise. C'est toi qui l'as prise, ouais, parce que moi j'ai rien du tout. Bon, on va au tunnel, hein. Là, maintenant, de suite. Bah, poser la bombe dans le tunnel pendant la nuit. Il fait nuit. C'est le moment, hein. Là, de suite. Putain. Oh putain ça. Et toi, pourquoi tu... la nuit. Non, mais il faisait pas encore nuit, c'est pour ça que je me suis permis. Là, j'arrête. Bon, y a... ça, c'est... Hey, y'a plein de champignons, y'a plein de champignons. On s'en fout de tes champignons, putain. Attends, une omelette. C'est bon. Putain, quoi, je me casse. T'es où? Je t'ai perdu. Je suis sur un toit de camion, là, y'a trop de monde. Je te vois. C'est dans ce tunnel-là qu'il faut qu'on aille? En haut, là? Attends, un tunnel. Non, ça doit être en bas, le tunnel. Il est là, le tunnel. Putain, il est là. Reviens, reviens. Attends, est-ce que j'ai des fusées? Ouais. T'as des pétards surtout? Non, non, mais les fusées là. Pas... Oh nom de dieu de merde! Eh oui, Shinji. Ah, ah non, non, là on est dans la merde! Non, non. Ah si! Essaye d'en fabriquer, je sais pas, fais un truc. Oh putain. J'ai posé la bombe, dégage, dégage, dégage! On a... Oh, on a pété. 2, 1, t'es dans la merde. Je suis mort. Non. Je suis mort. C'est pas bon, ça marche pas. Ça marche pas. Putain, elle a pas pété la bombe. Je suis mort. Tu vas opérer à la volée, ça devrait le faire. D'abord. Mais non, je suis gavé, ça a pas pété. En faisant une incision juste en dessous de la cosse négative. Écarte les deux côtés le long de ta ligne d'incision pour trouver le câblage. Putain, en plus j'ai plus d'énergie quoi. T'es où? Maintenant. Vérifie la soudure sur les deux fils verts et sur les trois fils rouges. Je suis dans la casse, putain, je sais même plus par où faut que je reparte là. Picoler en les montant. C'est vrai que maintenant, je me dis que c'est... Ah non, là, je suis dans la merde. Attends. Putain, faut retourner à l'intérieur. Ouais, je sais, ouais, putain. Attends, déjà, il faut construire des machins là. Ouais, des fusées, mais faut que je mette à l'abri, moi. Là, je suis pas à l'abri du tout. Ouais, fous-toi à l'abri. Attends, les fusées... C'est quoi, les fusées éclairantes, c'est ça? Ouais. Je vais en faire parce que putain. Parce que moi je peux en faire. Alors. Fusée éclairante, putain. Que deux quoi. T'avais jeté les pétards et tout? Non, j'avais juste jeté des fusées pour qu'ils me laissent tranquille. Oh, eh oui, là, sont, eh oui parce qu'en fait, quand t'as posé la bombe, faut jeter des pétards et dès que la fin des pétards est terminée. Non, non, y avait le compte à rebours, c'est la bombe à la foirée. Et là il faut l'activer. Je sais pas, tout à l'heure. Oui, ma santé est basse là, mais je peux pas me soigner, putain. Tout à l'heure, il parlait d'une histoire de. Ouais, de pétards, ouais. Il disait, tu envoies les pétards et quand les pétards sont terminés. Attends, parce que là. Je suis à côté de toi là, t'es où? Je suis sur un toit planqué. Ouais, je suis là. Oh la vache. Voilà, c'est bon, je suis là. T'as combien de vie? Là, j'ai réussi à me soigner. Mais c'est tout. Je vais aller l'activer. Attends, j'ai avec toi, hein. Ah, mais reste vers l'extérieur parce que. Si j'arrive pas à sortir à temps, qu'on crève pas tous les deux, quoi. Mais y'a plus personne là-dedans. Ils se sont barrés. Je l'ai activé. Ça oh putain, tout ce qui sort! Putain, dégage, dégage, dégage! Oh! Derrière nous? Oh le boucan que ça a fait! Victoire! Ça a fait sauter le nid et la barricade! On peut emprunter le tunnel maintenant! T'es où? Hey, yeah. Tout ce que je fabrique, ça explose! Tu retournes à l'intérieur? Viens me voir et je te donnerai le plan! Oh le bon! Ah, il va nous donner le plan! Ouais! C'est la On a tout fait sauter! C'est il y en a un en face de nous là! Maintenant le barrage il est ouvert! Ouais!
Bon attends, il faut qu'on retourne au point là-bas. Ouais ouais, on y retourne. Allez. 160 mètres. Ah non, fais chier, il est là lui. Fais gaffe. Oh putain. Il y en a partout. Eh oui, il y en a partout. Ils sont partout. C'est des malades. Attends, attends, faut que j'arrête de courir comme ça, moi. Bah viens sous le pont, viens sous le oh pont. Oh putain. Là. Viens sous le pont. Mais t'es où? Par où t'es passé? Oh, c'est par l'eau. Attends, faut que je récupère mon souffle parce que sinon je vais pas réussir à me barrer. Putain, c'est juste là. Bon, s'il nous voit, c'est pas grave, là y'a la planque. Ouais, s'il nous voit, s'il nous voit. Merde. J'ai pas trop envie qu'il me voit, moi, quand même. Je suis mortel. Oh. C'est pour toi. J'ai un peu modifié le contenant. Des canettes à la place des batteries. Ça pète moins fort. Bombe de Kurt. On va pouvoir faire des bombes. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour fabriquer cette merde? Il me manque du produit chimique. Je les ai pas, moi. Ah si, ouais, voilà. Elle est tout en bas. Moi, il me manque les produits domestiques parce qu'on lui a donné tout à l'heure. Les produits domestiques, j'en ai, mais chimiques, j'en ai pas. Moi, j'en ai un en plus, si tu veux, je peux t'en donner. Hein. Ouais. Il te faut combien de domestiques? Je crois que j'en ai... Attends. Attends. Bah, il m'en faut un. Alors, toi, c'est produits chimiques, tu m'as dit? Ouais, attends, on se fout là. Attends. Inventaire. Hop. Produits chimiques. Et bah, ils sont où les trucs? Attends, j'ai dû passer là parce que. Produits chimiques, voilà. Voilà, je t'en ai déposé un par terre. Ok. Et toi, c'est domestique. Domestique, ouais. Ou juste un. Alors, domestique, domestique. Là. Ah bah, déposé, qu'est-ce qu'il fait? Ok. Déposé. C'est bon. Je le vois pas. Il est au sol, devant tes pieds. Ah non. Ah si. Alors, bombe de Kurt. Ouais. Fabriqué. J'en fabrique deux. Je sais pas pourquoi, je sens le truc de merde. Ah bah là. Bombe de Kurt, bon bah elle est où je mette ça dans mon. Voilà. Bombe de Kurt. Tac, je vais mettre ça à la place de ça. Ah oui, c'est vrai qu'il faut les. Faut les ramachiner. Les équiper, ouais. Ouais, mais j'avais complètement oublié. Allez où cette bombe de merde? Je suis pas sûr que ça fasse trop de dégâts, ça. Ah merde! Des pétards, quoi. Pourquoi je la vois pas? Ah bah, ils me l'ont déjà mise directement dedans. Ah attends, il y a une récompense à récupérer là. Avec qui? Avec Kurt? Non, Jaffa. 1000$. Ah bah oui, c'est vrai qu'on a fait un truc pour lui tout à l'heure là. Bon, alors, qu'est-ce qu'il nous reste dans l'affaire là? Allez trouver Tolga et Fallin. Ah oui, je crois qu'il doit nous filer une récompense. C'est les jumeaux. Ouais, ouais, 150 mètres. Je sais même plus ce qu'on avait fait pour eux, mais on avait fait un truc. Fais gaffe en face. Oups là. Oh non, mais putain. Les chutes que je me paye, moi, je fais. Oh bordel. Hop là, putain. Ouais, il te dit 150 mètres, mais vu qu'à chaque fois t'es obligé de faire 30 000 détours pour éviter ces espèces d'enfoirés là. Oui, 150 mètres en ligne droite. Je crois que t'as raison, hein, c'est ça, il nous faut une mobilette. Hein. Et c'est quoi ce point blanc là? Je sais pas. Ah, mais c'était l'école ça où on avait été, non? Je sais, ouais. Clinty Beast Daddy in the World. Eh, hey, attends, j'ai ouvert une porte. Ah, tu t'enflammes. Ouais, mais c'est pas l'école, c'est pas là où on avait été. Y'a rien là, récupérer. Ah si, coca, jus d'orange et tout, tu vois. Ah ouais, non, rentre pas. Mais ils sont vers là, les mecs, pourquoi ça dit qu'ils sont là? Ah. Oh putain. Quoi? Je croyais qu'il allait me voir, l'autre connard. Ah, ok. Salut les mecs, ça biche ou quoi? Ils sont là, les deux jumeaux, là. Il faut que tu viennes.
Ah mais il y a les jumeaux là. Ah oui bon attends, merde. Non, trop tard. Écoute-moi plutôt. La première balle passe au-dessus de ta tête, la deuxième la transperce. Ça suffit, Edward. T'as vraiment envie de faire fuir quelqu'un qui pourrait peut-être nous aider? On connaît pas ce type. Inconnu au bataillon. Tais-toi. Laisse-le entrer, je te dis. Errol veut te parler, on dirait. Tout ira bien, t'inquiète. J'ai l'air inquiet. T'as l'air terrorisé. Quelle perspicacité. Entre, entre. Ok. Professeur Xavier. Des X-Men. Je m'appelle Errol. Kyle Crane. Voici ma nièce, Salia, et son fils Eren. Edward y va un peu fort, mais on a toutes les raisons du monde d'être sur nos gardes. On a des hommes très dangereux aux trousses. J'ai l'impression de t'avoir déjà vu quelque part. Pas étonnant. On a dépensé beaucoup d'argent à afficher mon visage partout en ville pendant la campagne. Mais oui, t'es Errol Azani, le gouverneur de la province. Gouverneur de rien. Mais Rice a décidé que toutes les figures politiques représentaient un danger pour lui. Et il a ordonné mon exécution. Ils ont déjà failli m'avoir une fois. C'est comme ça que j'ai perdu ma jambe. Et ils n'ont pas abandonné, on dirait. Ces gorilles ont réussi à me traquer jusqu'à ma dernière maison sécurisée, au carré. Edward en revient. Ils fouillent la zone, apparemment. Ils ne vont pas tarder à arriver ici. C'est évident. Ouais, on dirait que tu as un problème. Je te paierais cher si tu pouvais le résoudre. C'est pas la première fois que j'entends ça. Tu peux me faire confiance. Je peux te proposer quelque chose qu'aucun argent ne peut acheter. Je vais y réfléchir. Ça m'intéresse. Bon, attends, on va aller voir d'abord les deux autres... Les jumeaux, là, ils sont là. Ouais, parce que eux, ils mériteraient bien aussi un petit coup de... De flingue. Ouais. Salut les gars, c'est pourquoi cette fois-ci? Vous comprenez ce que c'est une batterie? Olga, tu vas le dégoûter. Dans le compartiment moteur d'un bus se trouve un rectangle lourd. Je sais ce que c'est qu'une batterie. Il nous faut des batteries de bus, avec des plaques de qualité marine. Et une CDF de 1300 ou mieux. CDF signifie capacité de démarrage à froid. Évidemment. C'est une batterie plutôt grosse. Ouais, ça doit faire entre 50 et 55 kilos pièce. Ça correspond à plusieurs gros cailloux. C'est un américain. Le système métrique le rend nerveux. Il nous en faut trois. Vous pouvez utiliser la force brute. Nous savons que vous autres primitifs aimez montrer votre force en exécutant des prouesses physiques. Vous pensez que ça attirera des femelles? Laid et stupide. Qu'a-t-il donc pour lui? Mais comment il peut vivre comme ça? Qui sait? Vous avez vos instructions. Allez donc les interpréter à votre guise. Je vais les buter les deux là. Ouais, ils se foutent vraiment, mais vraiment, 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 vraiment de notre gueule. C'est un américain, il comprend pas les systèmes de traits. Je vais les foutre. Qu'est-ce que tu veux aller à la batterie là ou tu veux aller au récupérer truc... Récupérer les trois batteries. C'est pas comme tu veux, choisis. Moi je ferais bien le truc là du mec là... Alors attends, c'était quoi le truc pour le mec là qui nous demandait là? C'est des histements, je crois. Hein. Je sais pas, il y a un point blanc là, non? Ouais, c'est ça, voilà, c'est celui-là. Voilà, ce point jaune là. Rendez-vous au carré. Sur, les... T'es parti où là? Celui-là à l'intérieur, il y a plein de trucs à récup. Là, il y a que dalle. On va aller à son truc. Ouais. Regarde ce qu'il a ramassé. Parce que je pense que ça va pas être des zombies qu'on va affronter là-bas. Quoi? Hein? Bah vu que c'est des mecs de Rice qui le recherchent, je pense que... T'es où? T'es barré où? Ah là, moi je me casse à l'extérieur là. Je suis dans un jardin d'enfants. Ouais, je suis derrière toi, mais moi j'ai plus de kit de soins. Je suis dans la merde. J'en ai que 5, ouais. Donc, bon bah si on... De... Attends, mais ça va être le jour là non? Ah oui, ça va être le jour. Mais attends, mais c'est pas encore le jour. Fais gaffe. Il y en a un devant, fais gaffe. Oups là. On s'est taillé. Ah, c'est bon, ils vont pas tarder à se barrer là. C'est bon. Vous avez survécu. Oh, des plantes. Tu commences à me saouler avec ça. Moi j'aime bien les plantes. Alors 100 mètres. Putain, il fait jour. Ouais, il fait jour. Tu vois ce con. Mais quoi, il fait jour? Bon, c'est ici. Qu'est-ce qui se passe ici? Mais en même temps, on aurait peut-être plus de kits de soins si on ramassait les parachutages.
Oh, les parachutes, c'est pour donner au... Ouais, t'as de l'antizine, mais souvent aussi t'as des trucs de soins dedans. Bah, moi je monte là-haut, mais je sais pas si c'est là-haut. Hein. Moi je sais pas, puis en plus, moi je te suis comme un con. Hein. Bah, de toute façon, je pense que oui. Hein. Tout le monde connaît. Hein. Attends, un coffre. Kit de soins là, un truc, je sais pas. Ouais. Ah, y en a d'autres, des coffres là. De l'autre côté. Oh, là. Intermédiaire, putain, je sais. Porte fermée. Je vais vérifier. Porte fermée. Merde, je pète mon projet au crochet. Allez, ouvre-toi, putain. Pièce métallique. Bah écoute, j'ai pas l'impression que c'était par là. Hein. Alors. Des titans. Je sais pas quoi ça sert cette merde. Couteau à dépecer. Se foutre de nous. Et t'as vu, t'as vu en face? Ah, c'est voilà, face. c'est par là. Regarde, t'as une truc là. Une tyrolienne. Mais par contre, t'as vu ce qu'il y a en face? Sur le toit? Quoi? Je vais me les faire. C'est des crasheurs. Je vais me les faire. Allez, saute, trop, il saute pas là, il est con. Ah, il est trop. Putain, je peux pas y aller. Non, il est pas trop, il est mort. J'ai pas réussi à monter. Ah l'enfoiré. Ah non, j'en ai marre. Il m'a pété à la gueule. Ah oui, tu m'étonnes. Alors là, il y avait un coffre. Ah non, ils me font chier. Par contre... Fallait trouver quoi là? On peut l'ouvrir ça là? Tu l'as pas ouvert le coffre? Non, attends. Je vais essayer. La porte. Oh putain! Putain, bingo! Je l'ai ouvert du premier coup le bordel! Bingo, bingo! Oh oh! Viens là, y'a une. Oula! Y'a à l'intérieur là! Y'a une baramine de qualité! Viens! Non, j'en veux pas, t'as... Oh, c'est une boîte de croquettes que j'ai ramassée! De croquettes, pas de croquettes! De croquettes! Oh, fusée! Ah, y'a quelques couteau âgé! Matériel médical! Ah oh, oui! Oh oui! Oui. Il y a une planque juste là en dessous là. Comme dirait Julien Leperche, oui. Bon. Maintenant on descend comment là? Mais en plus c'est vachement vaste le truc là quand... Rendez-vous au carré. Ah au carré, bah ça doit être ça doit être la planque là, non? Attends, je descends pour les balcons. Sur... Il y a un malabar. Arrête.